Ma mère, c'était évidemment une expérience. C'est évidemment une expérience extraordinaire. Parce que ma mère, elle était quelqu'un qui m'a. Elle est restée vraiment à côté de moi. Dans le bien sens et dans le mauvais sens. Cioè, dans le mauvais sens, qu'il était là, que je disais, m'obliger à étudier, cette mère à l'école. Il avait un grand amour, il m'obligeait à étudier, il m'obligeait à aller à la messe parce qu'il était catholique, alors il m'a contrôlé que moi j'étais à la messe. Et à un certain moment, je faisais voir que j'entrais dans l'église, je sortais de l'autre porte. Il m'attendait quand j'arrivais la soirée, jusqu'à une heure, jusqu'à là, l'attendait à la fenêtre. C'était comme, il ne me laissait pas la liberté. Parce qu'il était maître, il voulait que moi, il avait peur que je me perdais. Alors on peut dire que c'est une mère totalement présente. Mais en même temps, c'était bizarre. Parce que le fait qu'elle avait trois fils, il y avait un autre côté que je ne comprenais pas très bien, qu'il était beaucoup plus léger, beaucoup. Cioè, qu'il jouait un peu un certain rôle, mais ce n'était pas qu'il avait décidé qu'il devait faire comme ça. Mais il y avait évidemment un autre côté qui n'était pas oppressif. C'est ça que, par exemple, je me souviens des fois que j'arrivais à la maison, elle était au téléphone, elle parlait avec des amis, elle riait beaucoup, elle était très heureuse, elle était bien. Après, il me voyait changer le visage, il me fait sentir que moi, je n'avais pas étudié, qu'elle était triste pour ça. Moi, j'ai pensé, mais c'est bizarre. Je suis entré, elle riait beaucoup au téléphone. Maintenant, qu'est-ce qu'il fait quoi? C'est pour ça qu'une femme me dit, mais c'est qui t'a fait? Je ne sais pas de qui t'as appris de faire l'actrice, l'acteur. Je dis, de toi, maman. Parce que c'est évidemment, non? C'était une façon de jouer les choses. Il y avait un peu une double tout le temps, non? Mais c'est une relation forte. C'était quelqu'un qui était là. Je pourrais dire, maman, je suis entré dans un asile. Il a dit, son fils, il est entré dans un asile, il a fait un strage, il a tué tout le monde. Et après, trois jours, je suis sûr que ça allait arriver. Cioè, tu savais que ta mère, elle était là. Jamais il te pourrait laisser, jamais. Tu pourrais faire tout ce que tu voulais, qu'à la fin, ta mère, elle était là. Avec le temps, on est devenus plus amis. On a commencé à changer un peu. Ma mère, elle avait un problème énorme elle avait un grand problème quand, par exemple, il savait que j'étais bouddhiste. Ah, ça, pour elle, c'était une souffrance énorme. Mais aussi là, il y avait un double jeu. D'un seul côté, il était content, de l'autre, il me disait non. Cioè, ma mère, elle avait tout le temps un peu le double. Il y avait tout le temps le double, que c'était aussi affascinant. Un côté de folie, de liberté, un côté rigide, totalement comme quand il est mort, les prêtres, il y avait quatre prêtres qui l'ont fait la messe, il ressemblait à la messe du pape. Et tout le monde, il parlait, chaque quatre prêtres, il en parlait de ma mère. Il y avait tous les villages, c'était pleurer. Je dis, ma mère, c'était dur comme personne aussi, mais tous les villages qui pleuraient, évidemment, il y avait une personne qui l'aimait beaucoup, ma mère. Et le prêtre, il a dit, ah, moi j'avais des problèmes avec Rita des fois parce qu'elle me disait que moi j'étais pas un bon prêtre. Je devais être plus dur comme prêtre. Alors elle me donnait les conseils à les prêtres. Je dis, tu vois, ma mère, ils donne aussi les conseils à les prêtres. Mais en même temps, il y avait cet anarchisme profond qui, par exemple, ne faisait aucune différence s'il voyait. Vous voyez, en politique, il parlait comme ça. Non, une personne importante, moi, j'arrivais avec quelqu'un. Un gitan, il parlait avec les gitans, il parlait avec tout le monde. C'est tout. Testimonio de Giova, il cherchait elle de convaincre lui qui s'est trompé. Je lui dis, laisse-le un peu tranquille, non? Alors, il y avait un côté totalement ouvert. Il me surprenait sa capacité d'être comme ça. Je me souviens quand j'étais, par exemple, j'ai gagné le prix européen du théâtre et est venue Marisa Berenson, que c'est
Elle a fait un film avec moi et alors Marlise elle est venue et je dis oh maman mia, ma mère et Marlise, ma mère aussi elle est venue. Je dis ma mère et Marlise Berre sont ensemble. Ma mère c'était quelqu'un qui à l'école, quand il faisait la mettre, il était à la campagne, il se mettait des vêtements plutôt pour ça. Nous j'avais un peu honte comme ma mère elle se mettait les vêtements quand j'étais. Moi je me mets comme elle, même moi je suis comme elle. Et il se mettait des vêtements comme ça, il ne s'importait rien de les vêtements quand il était surtout jeune. Et je dis, mamma mia, Marlise Berger, c'était la grande au niveau de la niveau de Schiaparelli, ensemble, tu peux imaginer. Je dis, maman, tu sais que Marlise Berger, il a dit qu'il était devenu une des femmes plus élégantes, non? Ah, ma mère, regarde, je m'importe rien, moi je ne suis pas la plus élégante. Non, je dis, pour dire un peu qui c'est. Mais après, c'était drôle, quand je suis arrivé, je vois ma mère et Marlise Berger, ils ont pu parler ensemble. Et qu'est-ce qu'il a à dire aussi avec Marlise Berres? Et à la fin, Marlise Berres me dit, on est d'accord, moi, ta mère. On n'a pas aimé ton vêtement que tu as mis à l'épreuve. Je dis, voilà, il a déjà commencé à créer une complicité aussi avec Marlise Berres. Elle me dit, ta mère, ma mère, il a dit, ah non, c'est même, je me suis trouvé très bien avec Marlise Berres. Complètement les deux catégories sociales plus grandes du monde. Et Marlise Berres me dit, ta mère, il est... Il a une façon très légale d'amener les vêtements. Une enfant très élégante. Mais elle disait sincèrement, hein, Marlise, c'est pas qu'elle. Et quand je suis arrivé, que je la vis morte, les premières pensées dans le lit, j'ai dit, il a raison, il porte très bien les vêtements. Tu vois comment c'est bizarre les choses, non? Plein, il y a beaucoup de choses sur ça, moi je pourrais parler des heures et des heures et des heures, parce qu'il est tout le temps, parce qu'il est intéressant, parce qu'il y a tout le temps des contradictions. Il y a tout le temps des contradictions. Il y a comme quand je suis arrivé, qu'une personne il m'a dit, oh, les funérailles, il m'a dit, votre mère, c'est une grande personne. Parce que, il a dit une fois, il a dit, moi, je ne suis pas ambitieuse de mon fils, je suis orgueilleux. J'ai l'orgueil de mon fils, mais je ne suis pas ambitieuse. Parce que je serais ambitieuse ou fière. C'est mon fils, il avait fait toutes les choses que je lui ai dit de faire. Il n'a fait rien. Il a fait tout l'opposé de ce que je lui ai dit de faire. Tout. Mais il est réussi. Et alors je suis orgueilleuse, pas fière, pas ambitieuse, mais orgueilleuse. Et là, il m'a surpris que je savais faire ça au funérailles. Qu'au fond, ma mère, il me disait de faire une chose, mais il était content que je faisais le contraire. Et ça, ce sont des choses, comme par exemple, quand il était très très préoccupé parce que ma soeur, elle était séparée de son mari. Et alors, une fois, je ne pouvais plus parce qu'il était séparé, il pleurait parce qu'il est séparé, ah, je ne peux plus. Je dis, maman, basta, arrête, c'est pas important ça. L'important, c'est qu'il ait la joie, l'important, c'est qu'il est content. Qu'est-ce que tu t'as tout le temps à penser à ça, basta.